à tous ceux qui sont ici, qui ont souffert aussi de ma gouvernance, de mes actions en tant que Premier ministre. Je vous demande pardon. Guillaume Soro est élu président de l'Assemblée nationale en 2012. Mais en 2011, la crise post-électorale qui a fait 3000 morts a fini par montrer la fragilité de l'unité nationale. Très vite, il entreprend une tournée nationale de réconciliation de la région du Gor de la Niébitiassa, zone favorable à l'ancien président Laurent Gbagbo. Guillaume Soro cherche à panser les blessures. Avec une forte dose d'humilité, il assume sa part de responsabilité dans la crise et demande pardon. D'ailleurs, il est le seul à ce jour à faire preuve de ce courage politique en Côte d'Ivoire. En 2017, il place l'année parlementaire sous le sceau du pardon et de la réconciliation. J'ai souhaité que cette première année de la présente législature soit consacrée à l'approfondissement du pardon et de la réconciliation nationale en tous les Ivoiriens, par-delà leur communauté ethnique ou leur appartenance ou sensibilité politique. Au début, il est accusé de vouloir faire de la récupération. Plus tard, la classe politique s'approprie le concept. Mais Guillaume Soro avec une longueur d'avance. Certainement parce qu'il avait perçu tôt le sens de ses valeurs pour avoir connu le maquis et ses turpitudes. Guillaume Soro a côtoyé la mort sur toutes ses facettes. La dernière, officiellement connue, était le 29 juin 2007, quand son avion a été bombardé à Aboaké. Il était Premier ministre en ce temps. Il a clairement identifié ses agresseurs, mais il n'a pas engagé d'action judiciaire contre eux. Encore moins, manifesté un esprit de vengeance. Il a pardonné. En fait, ce que je voulais faire, c'est comme une sorte d'exorcisme. Parce que quand il y a eu un grand traumatisme, professeur, parler, ça libère. Je sais donc ce que vous avez vécu. Alain qui est là avec moi. On était dans un avion, on a tiré sur l'avion. 4 sont morts sur le champ. Ceux qui ont tiré là, je les connais. Mais est-ce que vous m'avez une fois vu venir dire que je vais me venger? Je peux vous raconter des histoires comme ça, où des gens sont tombés à ma droite morts, à ma gauche morts. C'est très douloureux. Et justement, j'ai vu que le porte-parole avait du scrupule pour en parler. Il ne faut pas avoir du scrupule, ni parler pour pardonner. Je viens au nom de l'Assemblée nationale, de l'institution, pour vous dire qu'il faut pardonner. Que votre cœur s'apaise. Et il faut apprendre à avancer. Nous tous, c'est un exercice qu'on doit faire. Vous avez parlé de la question d'un de vos fils, Lida Kwasi Moïse, je le connais très bien. Lida était enseignant à l'université, donc on s'est connu. Et puis il était responsable au FPI quand je dirigeais la FECI. On s'est bien connu. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, avec qui je n'ai jamais eu de problème particulier. Non, vous m'avez dit, j'ai compris. Mais voyez-vous, la question de la réconciliation, c'est ça qui va permettre que les cœurs, aussi bien du côté droit comme du côté gauche, s'apaisent et puis vraiment, on se retrouve. Il n'y a pas un camp qui a raison tous les jours, tous les matins, tout le temps. Et puis un camp a tort tous les matins, tout le temps. Non. On a tous tort
on a peut-être tous un peu rêvé. Chacun n'a qu'à faire son autocritique. Mais si tu dis que toi tu as raison, bon tu n'as rien fait, bon toi tu, c'est les autres qui ont... Non, 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 arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous aussi on a commis des erreurs, les autres ont commis des erreurs. Mais il faut qu'on accepte de s'asseoir ensemble, de parler ensemble et de trouver les solutions. C'est ce que je pense. Et c'est mon point de vue. Et je vais continuer à parler de réconciliation parce que la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Parce que tant que la Côte d'Ivoire n'aura pas réglé la question de la réconciliation, on se fatigue. Ce sera de revanche en revanche. Parce que le pouvoir là, ça finit toujours. Combien ? Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on a au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Le pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout. Ou vous voyez même... Quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce qu'il se transforme en mouche pour venir écouter ce métier. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit au fond est mort, j'ai dit c'est faux. Au fond est mort vraiment. Donc le pouvoir là, c'est éphémère. Donc il ne faut pas qu'on s'attache à ça. Le plus important là, c'est qu'on s'entende entre nous, qu'on règle les problèmes. On peut se tromper, on peut faire du mal à l'autre. Mais il faut qu'on se mette ensemble pour se pardonner. Dieu a créé le pardon parce qu'il savait qu'un jour on aurait besoin de pardon. Faites la journée du pardon ici et rassemblez les uns et les autres. Faites l'union, faites l'unité, faites la réconciliation. Cela fait 13 ans que Guillaume Soro a accordé son pardon à ses bourreaux. Là où il avait tout pouvoir de se venger, il a privilégié l'intérêt national. Par ailleurs, il n'a cessé de prôner le pardon et la réconciliation. À 5 mois des élections présidentielles, le tissu social reste toujours délétère. Que vont faire les tenants du pouvoir ? Abaisser le climat ou attiser le feu ?